Yo, bienvenue à 17 000 km de la France. Il y a un moustiquaire parce que ça attaque très très violemment. Je sais pas si on peut voir quelque chose là. Pied. Donc ça, c'est le jackfruit. Donc là, adieu les pommes, les poires et autres myrtilles françaises. C'est un truc énorme, hein, comme vous pouvez voir. Et moi, je l'ai ouvert. Et en fait, ça met de la colle sur les doigts. Et même le torchon, il s'arrache sur la peau. Plein de choses qui nous rappellent qu'on est loin de la France. Et là, quand on sort, hop, on fait quelques pas. Il y a un magnifique forêt jungle. Et là, l'océan. Océan. D'ici, on a déjà vu une baleine, un requin, une tortue géante, un requin à pointe noire. Bienvenue à Tahiti. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai pas mis de pause. On n'a pas pu prendre les pieds de micro dans la valise. Bienvenue dans la jungle. Voilà, ça fait une semaine qu'on est arrivé à Tahiti. Donc là, on est sur Tahiti Iti. C'est la petite presqu'île au sud. Je sais pas si vous pouvez bien apercevoir au fond, là, il y a des vallées magnifiques, très grands arbres. Alors là, on vient de se faire choper au vol avec Mariva. On était encore dans la voiture en train de filmer les montagnes et tout. Et il y a un gars qui est passé et qui nous a dit venez, on va voir la vague mythique. Donc il y a des places dans le bateau et il y a des surfeurs en ce moment. Donc on va voir ça. Jusqu'à 15 mètres. Ah ouais. Ah ouais. Et avec des mots, on peut mettre 3 bateaux comme ça là, 4 côte à côte. Ah ouais, dans le rouleau. C'est parti pour Moréa. Salut les amis. C'est encore nous, Tahiti Power. La petite fleur que vous voyez là, vous la sentez pas, mais elle sent extrêmement fort. Il y a un couple qui nous a invités à ce repas directement à Moréa dans leur maison pour passer une semaine. Donc on va voir ce que ça donne, on va découvrir. On est extrêmement touchés de cette générosité, de cette invitation, de cette fluidité. On voit les montagnes de Moréa. On est à Papeete. Papeete, la capitale. Et déjà d'ici, nous pouvons apercevoir Moréa, dont on dit qu'elle serait à l'exact opposé des pyramides de Gizeh, représentant le principe féminin du tor de la planète dans ce sens-là, et que les pyramides de Gizeh représenteraient le principe masculin, donc une source extrêmement puissante et rare de vibrations très très hautes en fréquence. Je suis un putain de cinéaste. Thank you.
nous arrivons dans le lagon, le très fameux lagon. Ça, c'est la passe, la porte d'entrée.